C'est le Love Train. Le Love Train qui va renvoyer tous les dégâts en plus fort à vos ennemis. Voilà. Salut tout le monde, c'est Namsti. Aujourd'hui, on se retrouve sur Your Bizarre Adventure. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas retourné sur ce jeu. Pour la simple raison que, du coup, il n'y avait pas trop de mise à jour, quoi. Mais enfin, après un an, ils ont rajouté un stand. Voilà. Donc, bah, ouais, bon, le menu, il est toujours pareil. Sauf qu'au tout début, genre, l'écran de chargement, en gros, il est différent. Mais sinon, l'écran du début, il est pareil. Et voilà, ils ont fait une nouvelle map. Une nouvelle map qui est... Bah, en vrai, elle est cool, hein. J'avais visité avant. Et en vrai de vrai, elle est stylée. Je l'aime bien. Et donc, bah, du coup, le nouveau stand qu'ils ont rajouté, bah, c'est Stonefree. Stonefree, je vais vous le montrer. Il est juste là, on peut voir... Non, pas ici. Ici, voilà. Stonefree, il est marqué. En gros, Stonefree, il fait partie des stands les plus rares à avoir avec une flèche normale. Du coup, t'as 1% de chance de l'avoir avec une flèche normale. Pareil que Whitesnake, que t'as aussi une chance sur 100 d'avoir avec une flèche normale. C'est plutôt cool. En vrai, le stand, il est fort. Mais même si j'ai pas vraiment pu le tester, j'ai pas pu le tester de mon côté parce que... Bah, qu'est-ce que j'enlève en vrai de vrai? Parce que j'ai Made in Heaven, vous voyez. Mais j'ai D4Chi aussi. Genre, c'est même pas D4, c'est Love Train normal, c'est un skin. Voilà. En vrai de vrai, je ferai une showcase sûrement après, une autre fois quoi. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur ce qui ont changé à peu près. Made in Heaven, par exemple, quand vous faites. Ça là. Quand vous accélérez. Bah. Devinez quoi? À la fin, en fait, de ça. On ne peut plus le refaire. En mode, je veux dire, tu veux plus faire ça, après faire H pour faire la time accélération, et puis ensuite réappuyer encore sur double accel. Avant, tu pouvais faire ça, c'était possible, mais maintenant, c'est plus trop possible. Du coup, avec mon time accélération, bah, j'ai mis l'univers reset parce que pourquoi pas maintenant. Voilà quoi. Là, on va déglaguer Pepsi. Oui, c'est bien ça, son... ouais, c'est Pepsi. Voilà. Oula. À moins que ce soit nul lui qui nous déglingue. Attendez. Boum. Oula. Oula. Attends. Non, Pepsi. Tu te calmes. Tu te calmes, Pepsi. C'est dire que je préférais le Pepsi avant. Maintenant, je pense que la question est vite répondue. Hein. Attends, mais comment ça se fait que... Mais attends. Mais il a que la moitié de sa vie. Moi, il me reste presque plus de vie du tout. Qu'est-ce que je fais en fait là? Voilà, ça doit lui enlever pas mal de vie. Ah oui, j'avais lu, j'avais des coups. En fait, c'est peut-être pour ça. Allez, on va faire une phase reset là. Bon, là, j'ai pu le faire, vous voyez, parce que. Bah. En fait. J'avais laissé le temps de recharger. Mais genre avant on pouvait le faire en mode directement. Non en fait je me suis fait mal avant. Ouais j'ai senti cet univers. Ouais il est mort. Ouais non il était mort avant en fait. En fait si j'aurais reset l'univers avec un mob, en fait il aurait respawn à toute sa vie. Donc, ouais. Allez, on va le déglinguer cette fois. Boum boum boum. Voilà. Ah, on n'oublie pas le Hamon. Le Hamon qui booste nos dégâts de 1,5, je pense. Non, je suis trop éloigné. Je suis trop éloigné. D'ailleurs, le Hamon, ils l'ont buff aussi, les gars. Le Hamon, maintenant, vous voyez ce move-là. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Attendez. Vous voyez ce move? Ouais, ce move-là, là. Genre, il avait une hitbox vraiment claquée au sous-sol. Vraiment, genre, tu la faisais, t'étais collé au mec, ça marchait pas, le truc, littéralement. Genre, tu devais vraiment fusionner avec le gars, en fait, pour bien lui faire l'attaque. Sauf que maintenant, bah, tu peux mieux la faire. Et ça a une plus grande hitbox. Et d'ailleurs, aussi, ça aussi... Attends. Non, arrête. Arrête, Pepsi. Arrête. Attends, on va faire ça. Voilà, maintenant on recharge le Hamon. Et ça... Mais purée mais... J'avais oublié que je pouvais bridge contre lui.
Parce qu'en fait, il est nul, il a pas de stand. Enfin, si, il a un stand, mais c'est une canne à pêche. J'arrive que du Pepsi vient de me buter. Bon, attendez, les gars, je pense que on va régler ça là. Vite fait, bien fait. Voilà, hop là, on sort du Porsche là, tranquille. On va essayer de retrouver Pepsi. Ah bah, attendez, on va déjà mettre nos points là. Voilà, comme ça, on fait déjà ça. Boum, on fait ça aussi. On va faire ça. Voilà, on va faire Quick Draw, on va faire Pocket Revolver et le Love Train, on va le mettre au max. Pourquoi il me reste des points? Ah oui, il me laisserait sur quoi? Attends, j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur. Attends, j'ai fait quoi en fait? C'est quoi mon erreur? Normalement, ça devrait marcher. Quoi, au moins qu'ils aient changé un truc? Ah bah voilà, ça aurait dû marcher. Mais. J'ai oublié de faire ça. On va laisser ça comme ça. Attendez, mais pourquoi j'ai un skin? Est-ce que vous aussi faites des carbonisés comme ça, des fois, quand vous réapparaissez sur le jeu? C'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive depuis la nouvelle mise à jour. C'est vraiment très bizarre. Donc voilà, on a sorti notre petit D4Chi là. Voilà, je suis pas un ouais, voilà. On va aussi chercher Pepsi du coup. Ou on va plutôt dire. Voilà. Où es-tu, Pepsi? Où es-tu? Pourquoi je ne trouve plus Pepsi en fait? Parce que Pepsi il a eu peur de moi. Et du coup, il s'est cassé en fait. C'est sûrement ça. Normalement il est sous un pont. Est-ce que vous voyez un pont les gars? Moi je vois Katakuri perso. Oh les gars attendez, bah, j'ai trouvé le pont. Ouais en fait c'est ce pont, il est petit mais tranquille. On peut le trouver. Donc les gars, le combo le plus cancer du jeu. Voilà. Prenez des 4 Cell of Train. Après vous prenez la Hamon aussi. Et puis vous faites quoi? Vous avez spammez ça là. Vous spammez l'explosif Pepsi. Voilà, genre vous clonez l'ennemi, vous le faites exploser, après vous faites des clones de vous-même. Et après, genre les clones de vous-même, ils vont déglinguer l'ennemi, vous voyez. Comme ici présent. Pourquoi est-ce que... Ouais, ouais. Il m'a barrage, mais il a barrage l'ennemi après, mais j'ai pas compris. Il s'est passé quoi en fait? Donc attendez, on fait ça. Après, ce qui est trop bien aussi, c'est que... Juste avec vos coups de poing là, vous voyez. Wesh. Vous faites 14 dégâts. Et d'ailleurs, j'ai aussi annulé le roi de roller d'art du gars qui a The World en fait. Ouais, voilà, de lui là. Il s'appelle comment? Anunnakra. Le stand le plus chiant là, vous voyez. Genre, lui là, du moins, c'est le mob le plus chiant, on va dire. Tu peux le déglinguer, tu vois. Tu peux le déglinguer super facilement. Tu lui fais ça. Après, tu lui fais ça là. Boum, boum, boum. Voilà, il fait genre qu'il est énervé et tout, tu vois. Après, tu lui donnes des patates, patates, voilà. Après tu lui fais un barrage, parce que pourquoi pas. Après tu lui donnes des grosses patates là. Un barrage qui fait 2.4 dégâts hein. C'est... Ouais. Ça touffe, je suis d'accord. Après vous faites ça. Et après vous sortez le stand et vous faites un... Et voilà. Vous l'avez aise, je vous félicite les gars. Ah d'ailleurs vous auriez aussi pu faire un autre truc qui est aussi très fort. Bah vu que vous avez décassé Love Train. Quelle est votre capacité principale? Et bah, c'est le Love Train. Le Love Train qui va renvoyer tous les dégâts en plus fort à vos ennemis. Voilà. Bon là, il a fait extrêmement raté parce qu'il est intelligent tout à coup. Je sais pas pourquoi. Mais son barrage, en tout cas, il l'a vraiment pas raté. Hein. Ça, je peux vous le dire. Boum, boum, boum. On lui donne des patates. Boum. Là, c'est lui qui nous donne des patates, mais tranquille. Il m'a même pas laissé sortir mon stand. Il en paraît combien il va? Ouais, voilà, je le savais. Je te connais trop bien, mec. Je te connais trop bien. Allez, le Love Train. Boum. Allez, ça dégage. Tu fais 11 dégâts par quoi toi-même hein. Vraiment. Et tu fais 40 dégâts. Son attaque. C'est drôle. Bon, vous savez quoi, ce sera plutôt pour cette vidéo. Elle est de plutôt courte, mais c'était une vidéo fun. Pour s'amuser. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si c'est le cas, vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace!